Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec le recycleur. Donc le recycleur, c'est une toute nouvelle arme qui est arrivée mardi sur Fortnite. Donc c'est une arme qui a 3 charges et c'est une arme qui a des munitions illimitées. Alors je m'explique pour que vous compreniez un peu mieux. En fait, quand vous allez viser avec cette arme, ça va aspirer le décor de Fortnite. Et là, quand ça aspire le décor de Fortnite, ça vous donne une charge de munitions par objet. Alors parfois, ça fonctionne pas très bien, mais c'est ça le principe. Alors j'ai essayé aussi d'aspirer par exemple une construction, là ça ne fonctionne pas, donc je pense que ça ne fonctionne qu'avec les éléments du décor de Fortnite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez avoir que 3 munitions maximum sur votre arme. Et quand vous avez plus de munitions, vous êtes obligé de réaspirer les objets du décor pour récupérer des munitions. Vous ne pouvez pas en obtenir comme ça par terre. Ou alors dans des caisses de munitions, vous ne pouvez pas en obtenir. Alors avec cette arme, quand vous allez tirer sur un adversaire, ça va tirer un projectile qui va faire un peu de dégâts de zone. Mais vraiment léger, les dégâts de zone n'ont rien à voir avec un lance-grenade par exemple. C'est un petit dégât de zone, donc s'il y a 2 ennemis côte à côte, là vous allez pouvoir toucher les 2 ennemis. Alors cependant, je trouve que cette arme est quand même un petit peu compliquée à utiliser. Déjà de 1, elle n'a pas beaucoup de munitions. Et de 2, il faut quand même bien viser l'adversaire pour que vous puissiez le toucher. Sinon c'est un peu galère. Donc si vous avez vraiment beaucoup de difficultés à réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Alors si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, il y a une vidéo tuto en description et en commentaire épinglé qui vous expliquera comment créer une partie uniquement avec des bots. Comme ça, ce sera sûrement plus simple pour réaliser le défi. Alors ne vous tracassez pas, c'est complètement légit et il n'y a aucun risque de ban. Alors l'objectif du défi est d'infliger 300 de dégâts avec justement cette arme recycleur. Et il faut savoir que cette arme inflige 75 de dégâts en rareté épique et elle inflige 85 de dégâts en rareté légendaire si je ne me trompe pas. Donc voilà, il faudra toucher 3-4 personnes pour finir le défi. Alors petite astuce supplémentaire, si vous mettez quelqu'un en PLS, n'hésitez pas à le finir avec le recycleur, comme ça, ça vous fera des dégâts supplémentaires. Donc voilà, quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez 24 000 XP. Et j'espère que cette vidéo guide de défi de la semaine 4 de Fortnite vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.